IGAC, c'est la démonétisation de tous les transports dans la capitale de Madagascar. Comme dans le futur, on paye avec notre smartphone. Bah, IGAC, c'est quand tu rentres dans le bus aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de courir ou de chercher vers qui tu vas donner l'argent, mais tu as juste à avoir une carte et tu vas le donner à un petit boîtier et c'est lui qui valide que tu es dans le bus. Alors imagine que du coup en France on retire tous les équipements électroniques dans les bus, dans les trams. Comment tu vas faire pour synchroniser tout? Comment on va faire pour gérer tout ça? Et ben, aujourd'hui c'est le cas à Madagascar, hein, t'en arrives. Et ça marche, ça fonctionne pas. Et ce que je propose du coup, c'est les mêmes équipements, mais en low cost et sur mesure pour les transports à Madagascar. Tu vois là, quand tu prends le bus, bah, tu vas juste rentrer dans le bus et tu vas juste bipper. Mais à Madagascar, du coup, tu vas rentrer dans le bus, tu vas sortir l'argent liquide, essayer de le faire passer à la personne qui va te donner ton ticket ou valider ton voyage. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de ticket. Et justement, moi, c'est ce que je propose, de donner des tickets. Ah oui, grâce à IGAC, dans moins d'un an, tu n'auras plus à attendre de vérifier du coup si les gens ont payé ou pas payé, à voir où est-ce que l'argent y va. Mais tu n'auras juste à conduire, t'arrêter, et les gens, ils valideront eux-mêmes leurs tickets du coup dans les bus. Ah, les nouvelles, c'est là. Ah. Alors. IGAC, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé depuis 2 ans à l'ESEO et que je suis sur le point de mettre en place à Madagascar, plus précisément à Antananarivo, la capitale, avec les transporteurs. C'est des boîtiers qui centralisent toutes les fonctionnalités d'un bus pour valider ces types de transport à Madagascar. Et tout ça à la suite de mes études à l'ESEO. Alors ESEO Start, c'est l'incubateur de l'ESEO et ça permet d'accompagner sur toute la partie électronique ou toute la partie, la partie financière du projet. Surtout quand on n'y connaît rien encore au début, ça permet de vraiment commencer et de savoir par quoi commencer. Alors IGAC, c'est mon projet. On m'entend quand je parle comme ça? Alors IGAC, c'est mon projet entrepreneurial qui commence maintenant à se concrétiser réellement parce que j'ai déjà créé mon entreprise. Ce qui concerne la démonétisation des transports en commun à Madagascar, on ne paye plus en liquide dans les bus, on paye avec notre carte, comme ici. IGAC, c'est la première fois qu'on collecte les données sur les bus à Madagascar. C'est 5000 bus qui sont connectés et ça permet du coup de traiter les données pour savoir où est-ce que les bus doivent être à cette heure-ci ou à cette heure-là, parce que aujourd'hui les bus ils sont tantôt tous de l'autre côté de la ville et tantôt de l'autre côté de la ville. Donc on va leur permettre de prédire les localisations, surtout pour définir les nouvelles lignes où les bus sont. On aura un emplacement la plus pertinente. IGAC, c'est avoir sa propre couverture réseau. C'est faire abstraction de toute l'infrastructure des téléphones qu'on utilise habituellement. C'est son propre réseau. C'est 4 antennes qui sont déployées sur la capitale de Madagascar qui permettent de couvrir toute la capitale et d'être indépendant côté télécommunication. Du coup, je peux implanter n'importe quel équipement connecté sans dépendre de notre service de télécommunication. Alors IGAC, c'est pas tout d'abord un projet entrepreneurial ni une entreprise, mais c'est d'abord pouvoir travailler à Madagascar et améliorer les conditions de vie de chacun, de la famille. Voilà.